Avant de commencer à prier, je voudrais vraiment m'excuser pour le fait que je vous ai fait attendre. J'étais prêt à venir quand quelqu'un d'autre est venu me rendre visite. Donc, je m'excuse. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? On peut se mettre debout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père Saint, nous te rendons grâce et bénissons ton Saint-Nom, toi qui as inspiré à la jeunesse de ce village et à sa chefferie villageoise l'initiative de mettre en place notre rencontre dénommée le Tchatchou, espace d'échange, de célébration de la fraternité, de la valorisation de notre culture et moyen de développement. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette deuxième édition et le fait d'avoir dégagé les moyens pour que nous puissions tenir nos rendez-vous. Voilà que notre cérémonie commence. Rien de ce que l'homme fait ne peut connaître succès sans ta bénédiction, sans ton implication. C'est pourquoi nous te bénissons et te rendons grâce pour que tu puisses prendre possession de tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire et tout ce que nous aurons à accomplir. Bénis les différentes interventions, bénis les différents intervenants et fais en sorte que notre rassemblement d'aujourd'hui apporte grâce, bénédiction, prospérité et cohésion à notre village et à notre sous-préfecture, au nom de Jésus. Amen. Tu vas te mettre, n'est-ce pas, dans le rang et puis dire au commandant que la fête est en train de démarrer. Sous le regard géant du DJ, du président de Kobe Bazo, est-ce qu'on peut dire que le show a commencé? On demande à toutes les mamans, toutes les femmes de se mettre dans le rang pour vraiment démarrer le jeu. Merci. Oh.
Can you get a
L'honorable Koudoutia de nous dit quelque chose. Dans nos traditions, il y a un étranger devant la nouvelle. Et je pense que le chef de village est bien placé pour donner la nouvelle ce matin. Alors, je vais demander à nos belles charmantes hôtesses d'accompagner le chef de village, l'honorable Koudoutia Aristide Désiré. Pour information, il faut dire que notre Gadio est né. Est né de la volonté du chef de village. Mais ses enfants ont bien compris. Alors, il faut acclamer très fort notre chef. Voilà, c'est le chef du village de Gadoupou. C'est de sa volonté. Eh ben, les Gadoua! Eh ben, les Gadoua! Gadoua, Kamou! Gadoua, ou bien, il y a un drôle de brinant, il y a Gadouba. Mais quoi, il y a un autre coup de. Eh ben, les Gadoua. 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 Eh ben, les Gadoua.
Avant tout propos, je voudrais présenter mes excuses au commandant de la sous-préfecture de Daipakei. En principe, c'est le commandant que nous devrions attendre. Ce n'est pas lui qui devait nous attendre. Et depuis 10 heures, il était sur le sol de Gadoukou. Ce n'est pas normal. Commandant, je vous présente mes excuses. Monsieur le commandant de la sous-préfecture de Daipakei. Monsieur le guide religieux et les guides religieux. Monsieur l'aîné, l'abbé Joseph. Monsieur le représentant de la mutuelle, de Gadoukou. Monsieur les fonctionnaires. Voilà la population de Gadoukou. Soyez les bienvenus sur le sol de Gadoukou. Aujourd'hui, je ne peux pas faire un discours classique puisque le maître de la cérémonie a déjà lu mon discours. Seulement, je voudrais vous encourager à nous joindre au développement de notre village que nous avons amorcé depuis 2022. Je suis dans la joie parce que l'idée nourrie par tous les Gadois a été applaudie par tous les Gadois. Du fait que pour organiser cette fête, on n'a pas supplié quelqu'un pour faire une levée de cotisation. Comme un seul homme, les gens ont cotisé, je vous dis merci. Je crois que ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre de Dieu. Quand c'est une œuvre de Dieu, on ne fait pas assez d'efforts pour accomplir ses vœux. Et c'est ce que je vois actuellement. Vous pouvez vous applaudir. Merci. Bro, 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 bro. Vous savez, le rêve que nous avons amorcé ensemble est devenu une réalité. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Pour moi, je suis en train de rêver. Mais je me rends compte que nous sommes dans la réalité. Agbateko. Notre village sera un village pilote pour tous les villages de Ouragayo et de Gagnoua. Je voudrais vous faire une confidence. Depuis le mardi dernier, j'étais chez Gagui Séli. J'ai passé une journée entière avec lui. On a échangé longuement sur le développement de notre village. Il vous rejoindra bientôt. Je ne veux pas trop parler ce soir, sinon ce matin, mais je voulais encourager les uns les autres vraiment à se joindre au groupe de le géant que j'ai nommé général J.R. que je vous demande d'applaudir très fort avec son équipe. Nous avons de grandes choses à réaliser dans ce village. Vos yeux verront cela. Nous avons transformé notre objectif final. Notre objectif, c'est de transformer notre village en une ville. Et nous avons les capacités. La capacité intellectuelle et la capacité humaine. Ce ne sont pas les hommes qui nous manquent. Donc, comme un seul homme, nous devons nous lever pour amorcer le développement de notre village. Que tout ce qui va nous diviser doit tous nous rapprocher et nous unir. Allons pour le développement de nos Gadoukou. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est ici que l'explorateur avait sa cabane, qu'on appelait par déformation en BT Kabama. Donc l'explorateur était à Gadoukou. Et c'est à partir de Gadoukou que tous les matins, on le transportait dans son hamac pour explorer les autres villages. Alors ce que dit le chef de village, c'est une prophétie, le développement de Gadoukou partira des bas. Il faut accomplir cela très vite. Nous allons demander au président du comité d'organisation de
circonstances et agir de sa prêtie pour tituler les circonstances de celui. Gadoukou, village centre. Gadoukou, village qui prend toujours des initiatives. Gadoukou, village. Nous avons toujours transporté la population de Gadoukou à la prêtie. L'indépendance en 1960 de ce drame qui s'est produit, le premier bureau de poste nous voyons aujourd'hui s'est écroulé et la population 1960 que nous avons acheté notre premier camion, nous sommes des initiateurs et cela s'acclame très fort. Bien ici. Oui, merci Raphaël Cotignon, le temps nous fait obstacle, on va aller très rapidement et je crois bien que le commandant nous aura compris, ce sont les aléas du direct, vous nous excusez par rapport aux coupures de notre micro. Alors cela dit, on a une femme, une fille parmi nous qui voudrait sa manière donner un coup de pouce, sinon un ajout sur cette cérémonie. Mimi Lasta est dans nos murs. Jésus nous a dit à Gousseya. Ato nous a dit à Gousseya. Yoba. Jésus nous a dit à Gousseya. Eliela nous a dit à Gousseya. Yoba. Ala yoba, galo. Alu a dit yoba, jolo sao. Ataya, Jésus s'est allé. Jésus, moi,
Voilà. Le fort, le vaillant, notre aîné Zéagir. Hôtesse, il faut accompagner notre président. Voilà, nous allons écouter le mot du président du comité d'organisation. Et je demande à tous les membres du comité d'organisation d'accompagner le président. Le grand, le géant, le fort, le vaillant. Voilà. On ne va pas demander à notre président de monter parce qu'il est déjà... Président, tu peux monter, le président il peut monter, il est là déjà, il peut monter. Gaïsé, d'accord. Tano Kua, commandant, notre commandant et sous-préfet de Daepakei, l'honorable Koudoutea Désiré, chef du village de Gadoukou, monsieur le président de la mutuelle de développement de Gadoukou, notre aîné, notre frère, notre ami, celui qui est resté infatigable pour Gadoukou, distingué invité en vos rangs, grade et qualité, tout protocole respecté, honorable invité, soyez la bienvenue à cette cérémonie dénommée Gadjo. Comme le chef du village l'a dit, la première édition s'est tenue en 2022. Elle était consacrée uniquement à la cohésion sociale, au rassemblement et au pardon. Soyez tous les bienvenus à cette grande cérémonie qui nous réunit. Permettez-moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, le Dieu qui nous a donc aidés à être là. Avant nous le souffle de vie, nous lui rendons toute la gloire et toute la grâce. Mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation et à ma qualité du président de ce comité, je voudrais saluer toute la population de Gadoukou et tous nos invités. Très apprécié par la marque de votre intérêt à l'engagement et à l'initiative aujourd'hui dénommée Gadjo, l'honorable Koudoutea, chef du village de Gadoukou, et notre frère Yorobil ont eu cette ingénieuse initiative pour permettre à Gadoukou de s'éloigner un tant soit peu des moments de douleur, des moments de pleurs et de s'orienter vers le social, vers la joie, vers la gaieté, vers le développement. Merci pour votre soutien. Un rendez-vous du social et de l'esprit de développement. Gadjo 2024 est la deuxième édition. Pour cette édition, nous avons décidé d'un commun accord avec l'inspiration des membres du comité d'organisation d'orienter ce Gadjo vers la réhabilitation du préau qui tient lieu de réunion de nos parents et, si les moyens nous permettaient, de toucher le centre social qui va être désormais un lieu de rencontre de toute la jeunesse de Gadoukou. Je voudrais ici rappeler que Gadoukou a eu des icônes et des personnes inoubliables. Je voudrais citer une seule personne. Vous connaissez très bien Talo Gagui Célie, que nous aimons très bien et que affectueusement nous avons donné le nom de Saint-Jo. C'est son village pour ceux qui ne le savent pas. Il est avec nous, même quand il est absent, il nous soutient de loin. Je voulais le saluer de passage. Mesdames et messieurs, un proverbe africain
dit, et je cite, « La mouche qui tombe dans la sauce n'empêche pas sa consommation. » Et nous avons tenu à réunir et à réussir notre pari malgré les difficultés rencontrées dans l'organisation de cette cérémonie. Nous en avons eu suffisamment. Mais Dieu merci, ces difficultés aujourd'hui sont totalement derrière nous. Nous restons convaincus que c'est par ce genre d'initiative inculquée par nos guides que nous parviendrons ensemble au développement de Gadoukou, tout en espérant que cette initiative puisse vraiment perdurer et être sémée dans notre quotidien, dans notre cœur, pour que Gadoukou soit vraiment la terre qui nous a vu naître. Je voudrais donc mettre fin à mon mot en disant vive la Mudéga, vive les filles de Gadoukou, vive les fils de Gadoukou, vive Gadio 2024, je vous remercie. Le développement. Merci Président, merci JR pour plein de sagesse. Merci pour ces mots pleins de réconfort. Merci. Merci Raphaël Kofio. Au revoir. Quand tu écoutes le président du comité de coordination, JSIA, j'ai l'impression de dire que Boileau avait raison. Comme il le disait, ce qui se conçoit bien s'avance clairement et le mot pour le dire arrive à la. Il n'a même pas eu un discours, il a simplement mis les grandes lignes. Et après ça, il se sent à l'aise avec son micro. Félicitations à toi, Hervé, à toi, personne. Je voudrais, avec toute précision, comme ça on l'appelait à l'école. Mon commandant Waro Marius, merci pour ton soutien. Que Dieu te bénisse. Merci à la diaspora. Du président de l'arbitre de Gadoukou. Allez-y, mon oncle, nous l'avons déjà annoncé un peu plus haut. Voilà. Donc, je vais simplement vous présenter ton. Monsieur le préfet de Daïpa. Monsieur. Ça va, ça va. Allô? Allô? Bien. Monsieur le sous-préfet de Daïpa-Kéhi, monsieur le chef. Oh, le micro là. Attends, faut changer le micro là. Monsieur le sous-préfet de Daïpa-Kéhi, monsieur le chef de village et les autorités coutumières, monsieur le chef du village de Gadoukou, et toute sa notabilité. Chers invités, en vos rangs, grades et qualités, vaillante population de Gadoukou, mesdames et messieurs, avant tout propos, je voudrais rendre gloire à Dieu, lui qui a permis que nous nous retrouvions tous ici en ce jour du 17 août 2024
à l'occasion de la célébration de la seconde édition de notre Gadou. Cérémonie de réjouissance par excellence qui réunit chaque deux ans tous les ressortissants et la population de Gadoukou autour des valeurs de paix, de réconciliation et de développement. Je voudrais à cette occasion dire un grand merci à tout le bureau du comité d'organisation avec à sa tête son président, notre jeune frère Zéya Léonpoul, que je vous demande d'ovationner très fort. Oui, nous devons remercier et féliciter le comité d'organisation pour avoir réussi à mobiliser en très peu de temps la somme de 7 millions de francs afin que cette fête puisse avoir lieu. Nous pouvons être fiers de vous et nous sommes fiers de vous. En tant qu'aîné, je pense que nous pouvons être tranquilles car la réserve est assurée. J'ai toujours dit que nous devions compter sur nous-mêmes, car unis et solidaires, nous sommes une grande force. C'est l'occasion pour moi de partager avec vous ce proverbe nigérien qui dit, et je cite, « Lorsque nous nous réunissons au clair de lune, ce n'est pas à cause de la lune. Chacun peut voir la lune de sa propre cour. Nous nous réunissons parce que c'est bien de le faire. Continuons donc avec l'esprit d'équipe et profitons du pouvoir de la solidarité pour le bien-être de notre village et de sa population. Je voudrais également dire merci à notre chef du village qui est à l'initiative de la création du Gadou. Merci Kifi pour cette belle initiative et nous comptons sur toi et ta notabilité afin de garantir la paix et la cohésion dans le village, condition d'un développement harmonieux et durable. À présent, je voudrais m'adresser au sous-préfet de Daïbaké, à notre sous-préfet, commandant. Merci pour votre présence. Merci d'être encore parmi nous aujourd'hui, après avoir accepté de présider il y a quelques mois la fête de nos mamans du village. Cela démontre de l'intérêt que vous portez à l'ensemble des villages de votre circonscription et votre parfaite entente avec les populations. En tant que président de Mutuel et acteur de développement, cela rassure. Car nous savons que nous pouvons compter sur vous pour porter nos doléances aux plus hautes autorités. Comme je l'ai dit plus haut, notre force réside dans l'unité et la solidarité de toutes les filles et fils de notre village. Fort de cela, la MUDEGA a procédé à quelques réalisations au cours de notre mandat que je voudrais rappeler ici. Construction de six nouvelles salles de classe faisant passer notre école primaire de 6 à 12 classes. Équipement des salles en table banc. Dotation de la direction de l'école en matériel informatique. Construction d'une école maternelle. Construction d'une cantine. Construction de latrines, la construction de 3 logements pour les instituteurs et réhabilitation des anciens. Construction d'un foyer de jeunes achevé à 70% et qui sera inauguré si tout va bien l'année prochaine. À côté de cela, la Mutuelle a également organisé des soirées de collecte de fonds, des séances de consultation collective. La dotation en médicaments du dispensaire du village et des cérémonies de récompense des femmes et des planteurs
la plus méritée. Cependant, il reste encore beaucoup à faire, dont le plus urgent reste la construction de logements des instituteurs. Et nous voudrions, mon commandant, que vous soyez notre porte-parole auprès des autorités compétentes. Par ailleurs, selon des rumeurs qui courent, il semblerait que la fête de l'indépendance de l'année 2026 sera célébrée à Gadougou. Si cela est avéré, soyez d'ores et déjà rassurés, mon commandant, que Gadougou, l'hospitalier, sera prêt et au rendez-vous de cette grande fête. Je voudrais, avant de terminer, rendre un hommage appuyé à tous nos disparus qui ont œuvré de leur vivant pour faire vivre notre mutuelle et travailler pour le développement de notre village. Nous leur sommes reconnaissants et prions Dieu qu'il les reçoive auprès de lui. Pour finir, je voudrais dire merci à toute la population pour cette grande mobilisation et au comité d'organisation pour la parfaite maîtrise de cette cérémonie. Je profite de cette occasion pour m'excuser pour mon absence indépendante de ma volonté. Je souhaite à toutes et à tous une très belle fête et que vive le village de Gadougou réconcilié et solidaire. Merci. Toutes tes belles vies. Merci beaucoup. Encore, il faut encore l'acclamer en acclamant Jonas Yassine. Nous acclamons très fort notre président bien-aimé Talobi. Notre papa, cet agent de développement, cet homme généreux. Si je disais, l'homme fort de Gadougou. Alors, ce que nous retenons de ce discours, au clair des lunes, chacun de sa maison peut voir la lune. Il faut qu'on s'unisse. Et quand on s'unit, on peut faire des grandes choses, on peut avancer. Notre force réside dans la solidarité. C'est ce que je retiens de ce discours du président de la MUDEGA. Engage, tu dis, quand tu ramasses la voix de l'eau à terre, avant de la consommer, merci du vent. Et donc, pour la respiration, la reconnaissance du décès, nous devons saluer les fils et filles de Gadougou. Les cousins de Biakou sont là, ils préjugent. Oui, bien sûr. Puisque tu parles de Biakou, je voudrais aussi saluer la présence de notre frère aîné, Nepeyo Geyagui, qui est le premier vice-président de la mutuelle de développement de Pissekou, qui nous fait l'amitié ce matin. Il a un mot tout à l'heure à nous dire. Et déjà, je voudrais demander au cousin de Biakou de ne pas trop tarder. Aïe, gardez-nous, copains, aïe,
Voici ma gnè son cri cri bè. Voici ma gnè ton tromboutou. A quoi il y bouche vous d'aller ou à nous a. Oh quoi bouche vous d'aller ou à nous a. A moi gnè katra sama. A moi gnè katra sama. Ses anciennes gloires. Alors il faut les acclamer très fort. Ils vont recevoir des médailles en or. Azor Dibéi, Yagro. En fait, les égayes comme Dibéi. Voilà, nos respondeurs vont recevoir des mains de notre commandant la médaille d'or. Koudotia Aristide Désiré, notre chef. Guégué Alain, à son temps on l'appelait Pelé parce qu'il marquait beaucoup de buts. Voilà, il marquait beaucoup de buts. Gapo Norbert, c'est mon maître de CE1, mais ce n'est pas pour ça qu'on le décore. On dit qu'il a beaucoup marqué aussi, il a joué au ballon, il a joué. Inoukou, le président de la commission sport. Avec lui, on a glané. Et c'est à ce titre qu'ils reçoivent des médailles en or. Il faut les acclamer très fort. Ayaou, Anouanya, Touanya.
agri médaille ya parler nya pa brome anyara duna kisi wala médaille wande lolo yero ataka yere wiri kame être les médailles, il va récompenser les vainqueurs du Maracana. Non, pas Maracana, marathon. Marathon. Du marathon. Nous demandons à nos mamans, à nos filles qui ont remporté, l'équipe féminine qui a remporté la coupe d'avancée et l'équipe des hommes qui a remporté la finale du marathon. Avancez rapidement. Voilà, ceux-là, ils reçoivent des médailles d'argent. Il faut être grand pour mettre la médaille du président JR. Il y a aussi trois membres du comité, commission sport, voilà, qui vont recevoir aussi des médailles. Donc nous aurons Gégé Yahi, c'est mon oncle. Nous aurons Koudouzé et notre coq, même si cette année il a perdu tous ses marques. Voilà. Voilà. Zawiyaka, c'est notre papa. Donnez sa médaille à l'abbé Louis Zebzeya. Il va remettre ça spécialement. Voilà. Spécialement, ça c'est spécial. C'est béni. Voilà, dès qu'il arrive à la maison, toute maladie, toute vieillesse est partie. Il va redevenir jeune. Voilà. Merci. La photo de famille rapidement. Ok. Là, donc ceux qui reçoivent les médailles, c'est les membres de la commission sport. C'est eux qui ont organisé tout ce qui est sport. C'est une reconnaissance. Alors, donc nous avons notre coach. Voilà, Guamene Alain. Une photo de famille. Koudouzé Maria. Voilà, la photo de famille. Nous allons demander au président JR de récompenser l'équipe féminine. Non, aujourd'hui elles sont en talons. Elles sont en talons, elles ont des difficultés pour se déplacer. Félicitations à vous. Voilà, donc celles qui ne sont pas là, on va leur remettre leur médaille après. Cependant, l'équipe masculine se prépare. Chers amis, on a perdu à ce temps-là. Il y a longtemps que le commandant est là. Le commandant, ça ne coupe pas les rues. Donc il faut faire un peu vite. Il n'y a pas de médaille. Ok. Alors, toutes nos félicitations. Et on voulait vraiment vous encourager à continuer à faire le sport. Parce que ça donne la santé. Donc voilà la capitaine Manawa qui reçoit les félicitations et le trophée. Il faut l'applaudir très fort. Voilà, elle a marqué deux buts, des belles factures. Il faut rappeler que Marino aussi a marqué, mais après il s'est fait éliminer. Premier vice-président chargé des finances d'avancer au nom du Gagio pour remettre les dons du Gagio à la présidente. Au président de la commission sport, Franck Baudou. Voilà, Franck Baudou, au nom du comité d'organisation du Gagio, va mettre des dons de banque, deux ballons, un sifflet, un chrono. Voilà, d'accord, donc il y a une pompe. Il faut les conserver, il faut bien les conserver. Et deux poteaux de Maracana. D'accord, donc ce sont des ballons. Deux jeux de bas. Deux petits poteaux. Un chrono. Ainsi.
Gadoua Gomre. Normalement c'est 13 médailles. Hein. C'est combien de médailles? Normalement c'est 13 médailles. Mon commandant Waro Marius, merci pour ton soutien. Que Dieu te bénisse. Merci à la diaspora. Continuez de hisser très haut le sport. Merci. Champion, en bas comme ça ici. C'est une cérémonie réussie. L'État ici est dignement représenté par le commandant, le sous-préfet de la région de Daipake, Jérôme M. Kwa Tano, avec des applaudissements nourris. Recevons ici maintenant le commandant avec des applaudissements, s'il vous plaît. Que le chef du village de Bagbeï Gwepa, messieurs les chefs de famille, chefs coutumiers, chefs de communauté et autres autorités traditionnelles, vénérable guide religieux, monsieur le président de la mutuelle pour le développement des Gadoukou, le Gbeï Gwepa, représenté ici par monsieur Yassi Jonas, monsieur le président du comité d'organisation, madame la présidente des femmes, monsieur le président des jeunes, mesdames et messieurs, chère population de Magbeï Gwepa, honorables invités, tous en vos rangs, grades et qualités. 2 ans après la première édition, tenue en 2022, et auréolée d'un succès retentissant, nous voici à nouveau réunis cette année 2024 à la faveur de la 2e édition du Djagyo, cérémonie de réjouissance à Magbeï Gwepa, placée cette année sous le sceau des actions de développement. En cette circonstance heureuse, ma joie est grande et ma fierté immense de célébrer pour la première fois avec vous, en ma qualité de chef de la circonscription administrative de Daipake, cette fête de la fraternité, de la convivialité, de moments uniques de retrouvailles, de solidarité agissante, de réflexion et de concrétisation des actions de développement. À cette occasion, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est donnée de prendre la parole pour traduire toute ma gratitude à M. Koudou Désiré Ariste, chef du village de Magbeï Gwepa, initiateur et grand architecte du Djadjo, qui nous rassemble ici aujourd'hui. Merci, chef, pour cette inspiration divine, cette initiative louable et cette vision clairvoyante méritent d'être reconnues à leur juste valeur et saluées à juste titre. À travers vous, chef, je tiens à adresser mes vifs remerciements et mes chaleureuses félicitations à toute la communauté villageoise de Magbeï Gwepa pour avoir épousé cette idée féconde en acceptant de vous accompagner
la mise en œuvre du Diadio. Je souhaiterais en particulier adresser un satisfecit spécial au président de la mutuelle de développement de Magbeyi-Guépa et par son biais à tous les membres de la mutuelle et tous les cadres pour leur engagement constant et sans faille à l'essor du village et au bien-être de ses populations. L'organisation du présent Diadio est une illustration parfaite de cet engagement infaillible et indéfectible. Malgré les nombreux défis à relever, il est indéniable que votre action contribue indubitablement à insuffler une dynamique ascendante à Magbeyi-Guépa, comme en témoigne la réhabilitation du préau du village et l'achèvement des travaux du foyer des jeunes. Vous êtes sur la bonne voie et je reste convaincu d'une foi inébranlable que si vous persévérez, vous parviendrez à offrir aux générations actuelles et futures un avenir radieux. Je vous exhorte en conséquence à continuer dans ce sens et à poursuivre sur votre lancée. Cela dit, malheureusement, Magbeyi-Guépa demeure en proie à des querelles intestines, à des dissensions internes incompréhensibles, à la limite de l'incongruité, qui plombent son élan et font contrepoids à son avancée vers sa glorieuse destinée de développement. Qu'il me soit en effet permis d'évoquer pour s'en convaincre la dissidence au sein de la jeunesse qui m'a-t-on fait comprendre cacherait une division plus profonde entre les principales familles du village. C'est une situation déplorable qui n'honore pas l'ensemble des populations de Magbeyi-Guépa. Le Diadio, faut-il le rappeler, a été institué avec le noble objectif de créer un cadre de concertation entre tous les fils et filles, entre toutes les communautés et familles, sous l'arbre à paix. Nous appréhendons dès lors que vous êtes tous ici réunis, les fruits d'un seul et même arbre, les enfants d'une seule et même famille. Alors pourquoi diantre laissez-vous planer le spectre de l'incohésion à Magbeyi-Guépa? Pourquoi avoir semé et continuez-vous d'arroser la graine de la division? Sachez que la solidarité que vous promouvez à travers le Diadio est fille de l'union. Et que sans union, la solidarité... Je disais donc, sachez que la solidarité que vous promouvez à travers le Diadio est pire de l'union. Et que sans union, la solidarité ne peut prospérer. Car comme le dit un adage africain, seul on va plus vite, mais c'est ensemble qu'on va plus loin. Je vous engage donc, tous autant que vous êtes, quel que soit votre degré de leadership, et votre niveau de responsabilité, à fumer le calumet de la paix, à œuvrer sans condition à la réconciliation, pour qu'en définitive, de votre solidarité naisse une union sacrée, susceptible de vous amener plus loin ensemble. Rendez-moi fier de continuer d'être Bolo Depri, ce chef éclairé, éclaireur, qui avance avec, en rang serré derrière lui, le peuple de Magbeyi-Guépa. C'est sur cette note d'exhortation que je voudrais terminer en vous réitérant mes remerciements. Je souhaite un excellent Diadio à toutes et à tous. Vive Magbeyi-Guépa, je vous remercie. Il faut accompagner le commandant par des acclamations. Président.
Mesdames et messieurs, chers parents, j'ai dit un peu plus haut qu'au milieu de nous se tenait un envoyé du président de la mutuelle de Pissékou. Voilà, ce sont nos frères d'à côté. Et je vais demander au premier vice-président de la mutuelle de Pissékou, notre frère, notre gendre, Nekoyo Geyagi. Il est venu apporter soutien à notre Gadio, mais aussi il est venu apporter une invitation. Parce que retenez que la semaine prochaine, le week-end prochain, voilà, Pissékou va investir son président. Alors je vais demander au président JR de se tenir debout pour recevoir cette invitation et notre soutien. C'est un acte de fraternité, il faut vraiment acclamer cela très fort. J'ai dit que Geyagénipeyo, il n'est pas venu en tant que notre gendre, mais il est en mission. C'est le premier vice-président de la mutuelle de développement de Pissékou. Alors, il va recevoir. Merci beaucoup. Il faut l'acclamer très fort. Sénélé Nobé Badoua. Waïe. On est dans la route de l'Union européenne. Ça, Badoua. On est dans la route de l'Union européenne.